Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Nous sommes vraiment heureux et bénis d'être ensemble dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que nous ne devons pas regarder au nombre ou au nombre de personnes que nous sommes, mais nous devons regarder au cœur. Amen. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est présent au milieu d'eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils s'assemblent au nom du Seigneur pour un but bien défini. Pour pouvoir grandir dans sa marche avec Dieu, pour pouvoir grandir dans cette communion avec le Seigneur et pour pouvoir être plus fort. Amen. Ça, c'est le but de l'Église. Si ce but-là n'est pas dans l'Église, alors à quoi bon nous réunir? Nous ne voulons pas nous réunir pour devenir pire, mais nous voulons nous réunir pour devenir meilleurs et pour que quand nous sommes ensemble, le Seigneur puisse montrer nos défauts, également nos péchés, nos fautes, nos erreurs, pour que nous puissions changer. Nous avons vu ensemble vendredi qui est la lumière et nous avons pu voir que la réelle lumière qui était dans le monde, dès le commencement du monde, c'est Jésus. Et le Seigneur m'a donné une image dans laquelle Dieu avait déjà préparé, avant même que la terre se forme, avant même que le ciel se forme, Dieu le Père avait tout dessiné. Mais quelque chose s'est passé quand le Fils, celui qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on appelle la lumière du monde, a vu ses plans. Quand la lumière est venue sur ses plans sont devenus réalité sur la terre. Ses plans étaient là à fonder dès la fondation du monde, mais ils avaient besoin que la lumière vienne pour que ses plans se concrétisent. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Chaque fois que Dieu parle, quelque chose se produit. Pourquoi? Parce que Jésus, en plus d'être la lumière, il est la parole. Il est la lumière et il est la parole. Et nous avons pu voir ensemble vendredi que Dieu a des plans, que Dieu a des projets, que Dieu a énormément de choses pour la vie de l'homme. Mais le problème, ce qui empêche que ses plans et ses projets se concrétisent dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Les plans, les projets sont là. Dieu les a dessinés. Il a dit avant la fondation du monde, avant même que tu sois né, déjà je te connaissais, déjà je t'avais appelé et déjà j'avais préparé un plan, des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Mais quelque chose empêche que ces plans, que ces projets se réalisent dans la vie d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce qui empêche cela? Ben, je vais te le dire ce matin, ce qui empêche cela, ce sont les ténèbres. Qu'est-ce qui est les ténèbres? Les ténèbres, le symbole bien sûr du diable, mais également le symbole des péchés dans la vie d'un homme et d'une femme. Amen. Hier encore, j'avais un ami par internet, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et quand on parlait ensemble, il me rappelait de ce qu'on avait parlé ensemble il y a quelques années. En 2009, quand j'étais là-bas en Colombie, parce qu'il a un appart en Colombie et il a un appart en France. Et quand j'étais allé en Colombie en 2009, ce frère était dans une situation des plus désespéreuses. Son épouse était sur le point de partir, ils étaient sur le point de divorcer. Son travail ne marchait plus du tout. Il ne savait plus où tourner de la tête. Et dans ce temps de détresse, on avait fait un temps où on avait prié ensemble. Et pendant ce temps de prière, j'ai eu une parole pour lui. Et je lui ai dit, tu vois, le Seigneur te dit que ton épouse va revenir. Elle ne va pas revenir comme toi, tu attends. Il y aura du temps, longtemps qui va se passer. Et quand elle voudra revenir, tu ne voudras plus qu'elle revienne. Mais ce sera à ce moment-là qu'elle va revenir. Et
que tu auras de la difficulté pour l'accepter, mais quand tu l'accepteras, Dieu va te donner des portes. Et la parole qui continuait disait, et ensuite Dieu va trouver même des portes pour le travail dans lequel tu vas faire des va-et-vient entre la France et la Colombie. Et à l'époque, en 2009, c'était quelque chose qui semblait être une folie. Parce que lui-même avait son entreprise là-bas en Colombie et il ne savait plus comment faire. Et ça faisait pas mal de temps que je n'avais plus de nouvelles de lui. Et hier, on a eu des nouvelles, on a discuté ensemble par le biais de Facebook. Et il m'a dit tout ce qui avait été prophétisé en 2009. Tout s'est concrétisé, son mariage s'est remis, il s'est remis avec son épouse, et maintenant il est devenu directeur commercial dans lesquels il fait des va-et-vient entre la France et la Colombie. Et nous avons pu voir que le Seigneur, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Ce n'est pas pour ce d'un homme, mais c'est le Seigneur qui fait ces choses-là. Et en 2009, de 2009 à 2000, nous sommes en 2014. 5 ans. Pendant les premiers temps que j'ai dit ces paroles, même à un moment quand il me racontait sa vie, j'étais moi-même pendant les débuts quand je discutais avec lui, je me suis dit mais c'est impossible. J'ai dit, Dieu a donné une parole et toute sa vie devenait de plus en plus chaotique. Devenait de plus en plus chaotique. Et pendant quelques temps, quelques années, même moi-même, j'étais arrivé à un moment quand il me racontait sa vie, quand il me racontait comment ça se passait, je me dis mais Seigneur, est-ce que vraiment j'ai reçu la parole de toi? Parce que tout semblait contraire. Mais hier, alors que je l'ai eu au téléphone, par Facebook, quand il m'a dit ça, j'ai dit, merci Seigneur, parce que Dieu ne ment pas. Amen. Et je vais te dire que si Dieu t'a donné des promesses, je ne sais pas toutes les promesses qu'il t'a données. Il t'a donné des promesses, des paroles. Et des fois, peut-être, tu te dis, mais où sont ces paroles? Où sont ces promesses? Moi, j'aimerais te dire, si elles tardent à arriver, crois parce qu'elles arriveront certainement. Mais pour que ces promesses arrivent, Dieu va aussi te demander quelque chose pour que la lumière de Dieu puisse venir sur ta vie et pour qu'il puisse sortir tout ce qu'il y avait de ténèbres, tout ce qu'il y avait de caché sur ta vie, les plans et les projets de Dieu se réalisent. C'est cela pour faire ma soeur la marche avec Dieu. Des fois nous disons, ah mais peut-être ces choses sont cachées dans mon cœur. Peut-être ce péché me tient lié. Et c'est bon parce que de toute façon ça change rien. Ma situation est tellement désespérée. Je vais te dire que des fois c'est peut-être ce petit péché, ce petite chose qui est cachée, qui bloque les promesses de Dieu dans ma vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la lumière de Dieu qui vienne sur nos cœurs pour que nous puissions grandir dans la sainteté. Quand nous grandissons dans la sainteté, nous grandissons aussi dans l'onction, nous grandissons aussi dans la puissance, nous grandissons aussi dans la connaissance de Dieu et nous grandissons également dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Si nous ne comprenons pas cela, alors pour nous, la sanctification va être quelque chose de difficile, parce que de toute façon, même si on se sanctifie, on va vivre des situations toujours de pire en pire, et ça ne sert à rien. Ça, c'est le mensonge du diable. La sanctification dans la vie d'un homme va amener que la lumière de Dieu grandisse dans la vie de cet homme, grandisse dans la vie de cette femme, pour que les plans et les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Et je veux te dire que des fois les promesses de Dieu s'accomplissent peuvent s'accomplir en des temps records que nous-mêmes on peut être étonnés. Il y a des fois des moments où nous ne voyons rien et nous grandissons et nous continuons et nous continuons. Et au bout d'un moment, Dieu ouvre toutes les portes et toutes les bénédictions arrivent les unes derrière les autres. Amen. Je l'avais dit vendredi déjà, ce témoignage que nous avons vécu, alors que nous étions arrivés au mois d'octobre à des situations assez difficiles au niveau de l'Église. L'année dernière, nous avons déjà vécu, en 2 ans, nous avons vécu 2 grosses divisions dans l'Église. Au mois de septembre, l'année dernière, nous avons vécu la première grosse division. Et là, au mois d'octobre, nous avons vécu aussi une deuxième grosse division. Et en plus de la division que nous avons vécue dans l'Église,
Nous avons vu que même l'État, la mairie du village où nous sommes commençait à nous faire des problèmes et nous demandait tant de documents et voulait même nous fermer l'église. Et alors que nous étions dans toutes ces situations, j'étais arrivé à un moment où je me disais, Seigneur, tu vois, ça fait des années maintenant qu'on a travaillé dans cette région. Nous avons vécu des divisions, nous sommes passés par les moments difficiles. J'ai dit, écoute, si je vais mettre ça dans la prière, et quand je parlais avec un frère, il m'a dit, mais écoute, dépose tout le ministère entre les mains de Dieu et demande-lui vraiment où il te veut. Nous avions différentes portes qui s'ouvraient à l'air, mais là où nous étions, tout commençait à se fermer. Et j'avais fait cette prière ainsi à Dieu depuis le mois d'octobre, on était dans ces situations. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si toi tu veux nous ouvrir la porte, alors qu'au mois de février, que dans le mois de février tu nous ouvres la porte. Tu nous ouvres soit la porte complètement, soit tu nous la fermes complètement. Comme ça, si tu nous la fermes, alors moi j'irai là où toi tu veux, même quitte à partir de cette région, je quitterai. Mais je te demande, si ce n'est pas ta volonté, ferme-moi toutes les portes. J'ai dit, mais par contre, si c'est ta volonté, que toutes les portes soient ouvertes dans le mois de février. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Et on a continué tant bien que mal. Et la semaine dernière, nous avons reçu une nouvelle, je l'ai déjà vu dimanche, où nous avons vraiment la commune même de Puy-Glissade dans laquelle nous sommes, qui nous ont donné toutes les autorisations agrémentées par la préfecture, agrémentées par la gendarmerie, agrémentées par toutes les dimensions pour avoir un lieu de culte officiel et nous pouvons accueillir les personnes officiellement depuis une semaine. Amen. Et quand le Seigneur vraiment il nous a donné ça, nous avons su que c'est le Seigneur qui a voulu que nous restions là. Amen. Et je veux vous dire que parce que c'est le Seigneur qui a voulu, nous croyons que ses promesses vont toutes s'accomplir. Amen. Nous avons déjà des projets pour aller visiter les hommes et les femmes de ce village, les hommes et les femmes qui sont autour. Nous voulons essayer d'aller les visiter personnellement. Amen. Ensemble, nous voulons organiser des temps d'évangélisation, mais aller aussi vers les gens, aller dans leur maison, sonner à leur porte pour essayer de leur apporter le message de l'évangile pour qu'ils puissent entendre ce que Dieu a pour eux comme message. Amen. Et nous voulons le faire ensemble avec vous, avec ceux aussi peut-être qui nous suivent sur Internet et qui ont le désir de voir l'œuvre de Dieu grandir. Et nous voulons vraiment que le message de l'Évangile soit propagé. Amen. Amen. C'est vraiment un de nos désirs. Mais pour que le message de l'Évangile soit aussi libéré avec toute la grâce de Dieu, j'aimerais vous demander d'ouvrir aussi le livre d'Éphésiens 5, verset 3. Et regardez ensemble ce que la Bible nous dit, pour que nous puissions aussi être un modèle, que ce soit en parole, en conduite, vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. La Bible nous dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité, ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malsain. Mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, donc marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il en est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît à la lumière
car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas enivrés du vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dira dans le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le Seigneur voudrait nous interpeller, nous avons vu ensemble ce que c'est, qui est la lumière, vendredi. Mais aujourd'hui, nous voulons voir ensemble quel est le fruit de la lumière, quel est le fruit qui doit être porté par des enfants qui sont des enfants de lumière. La Bible nous dit, vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Et c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et la Bible nous dit que le fruit que nous devons porter pour qu'on nous reconnaisse que nous sommes réellement enfants de Dieu, c'est le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 3, que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. L'inconduite. Souvent, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que c'est l'inconduite? L'inconduite, c'est quand nous avons une conduite qui ne glorifie pas le Seigneur. Une conduite grossière. Une conduite dans laquelle nous devenons arrogants. Les hommes, les femmes qui doivent nous voir, doivent voir les enfants de Dieu comme des personnes qui sont doux et agréables. Parce que la Bible nous dit que Christ lui-même était doux et agréable de cœur. Nous ne devons pas être des personnes qui soyons désagréables. Et si peut-être nous avions des caractères, des comportements qui étaient désagréables avant que nous connaissions le Seigneur, notre but à nous, c'est de dire, Seigneur, maintenant change-nous et je vais tout faire pour être agréable à toi et également aux hommes. Amen. Nous devons être des personnes qui respirons un bon parfum là où nous allons. Est-ce que sur votre lieu de travail, ils vous connaissent comme une personne qui est agréable, ou est-ce qu'ils vous connaissent comme une personne à qui on ne peut pas parler parce que dès qu'on commence à vous parler, vous commencez à vous énerver? La Bible nous demande d'avoir des bons comportements, pas simplement pour Dieu, mais également pour nous et pour que nous puissions gagner les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà le but d'un bon comportement, de gagner les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Au point où les hommes et les femmes vont dire, mais toi, dans telle et telle situation, tu agis de telle et telle manière, il y a quelque chose chez toi que j'aimerais connaître parce que je n'agis pas comme nous. Amen. Ça, c'est la puissance du témoignage. Et ensuite, il continuera. Toute forme d'impureté. Nous n'allons pas commencer à mentionner toutes les impuretés qui existent, mais il y a des impuretés dans les pensées, il y a des impuretés dans les paroles. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les hommes et les femmes ont toutes sortes de blagues malsaines, toutes sortes de blagues impures, toutes sortes de choses dans lesquelles les hommes et les femmes rigolent sur ça. Ils trouvent cela marrant de parler de l'impureté facilement. Mais je veux vous dire que la Bible nous dit que nous-mêmes, nous devons éviter toute forme d'impureté, d'impudicité. Et ensuite, l'apôtre Paul continuera et dira, ou la cupidité. La cupidité, qu'est-ce que c'est la cupidité? La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'amour de l'argent? Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas t'enrichir ou te bénir, ce n'est pas ça.
La cupidité, c'est quand l'argent, l'amour de l'argent commence à devenir tellement grand dans ta vie que tu veux la garder, tu veux tout garder pour toi, tu veux tout placer dans un endroit, placer peut-être sur les comptes, placer, cacher cet argent pour ne pas la faire fructifier. Amen. Alors je ne dis pas que mettre de l'argent sur un compte, c'est mauvais. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Vous savez comment qu'on combat la cupidité? En étant vrai avec Dieu et en donnant à Dieu aussi nos dîmes et nos offrandes. Amen. Et quand nous voyons aussi, des fois, des pauvres, ne pas aussi hésiter pour avoir une libéralité en faveur des pauvres. Et vraiment, c'est vrai que nous ne pouvons pas aider tous les pauvres du monde. Mais de temps en temps, ou quand on fait. Des fois, vous savez, souvent, peut-être les gens rigolent quand je dis ça, mais j'aime bien des fois avoir des pièces sur moi, parce que quand on me demande une pièce, même si ce n'est pas beaucoup, j'aime donner cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ne te détourne pas de celui qui te demande. Amen. Nous ne pouvons pas, bien sûr, tout donner à tout le monde. Bien sûr, nous avons aussi besoin de vivre, nous avons aussi nos besoins. Mais si nous donnons un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu chaque fois, et nous sommes guidés à Dieu par nos dîmes, par nos offrandes, et que nous continuons à grandir, alors j'aimerais vous dire que la cupidité nous la brisons de cette manière. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, et bien sûr, des fois, dans nos milieux, n'est pas très connu, mais quand nous lisons l'Ancienne Alliance, nous voyons chaque fois que les hommes, les femmes, telles que Abraham, Isaac, Jacob, tous ces grands patriarches, ils priaient, ils recevaient des directions de Dieu, mais à certains moments dans leur vie, nous pouvons voir que chaque fois qu'ils organisaient une alliance avec Dieu, un pacte avec Dieu, ils faisaient quoi? La Bible nous dit qu'ils scellaient cette alliance, ils scellaient ce pacte avec un sacrifice. Quelque chose qui lui coûte. Et nous pouvons voir qu'en faisant cela, Abraham, tous ses hommes, tous ses patriarches, Dieu scellait et bénissait ses alliances. Et je veux vous dire que moi-même, je l'ai expérimenté chaque fois, je ne dis pas que je l'ai fait à chaque prière, mais chaque fois que j'avais des fois certaines choses précises que je demandais à Dieu. Non seulement je priais, non seulement je jeûnais, mais quand je voyais que Dieu amenait son approbation, alors je scellais cette prière par un don, par un sacrifice que je faisais à Dieu. Et souvent les gens me disaient, mais comment ça se fait que quand toi tu priais, que toi tu as commencé à voir ce genre de bénédiction? Au début je ne le disais pas, parce que je disais, c'est entre moi et Dieu. Mais je faisais un don, je faisais quelque chose pour le Seigneur, quelque chose qui me coûtait, et j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Amen. Et cette même dimension, j'ai commencé à l'enseigner dans ma propre maison, à mon épouse, à mes enfants. Et j'ai commencé à mettre cette mentalité dans ma propre maison et j'ai pu voir combien Dieu bénissait. Alors peut-être certains vont dire, oui, mais Dieu ne peut pas l'acheter. Ce n'est pas une question qu'on achète Dieu. Mais Dieu sait très bien que bien, des fois les richesses, nous y tenons beaucoup. En tant qu'être humain, même quand nous disons que nous aimons Dieu, nous sommes aussi attachés à nos richesses, nous sommes aussi attachés à nos matériels, même si des fois nous disons que nous ne sommes pas attachés. Et Dieu, dans sa grâce, quand il voit qu'on peut lui donner tout, quand il voit qu'on peut lui donner quelque chose qui nous fait mal, à ce moment-là, c'est simplement parce qu'il a vu notre preuve de confiance, notre preuve d'amour, qu'il nous exauce. Vous savez, Dieu lui-même a fait la même chose. La chose qu'il chérissait le plus. La chose qu'il avait le plus cher dans sa vie. La Bible nous parle de son fils bien-aimé. Au paradis, au ciel, il n'y avait personne de plus important pour lui que Jésus et que le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que dans sa grâce et dans son amour, il nous a fait un don. Non seulement un don, mais il a sacrifié ce don. Il a vu que son fils allait mourir et être sacrifié pour l'humanité. Et je veux vous dire, le don encore le plus
plus grande qu'il a donnée aussi aux hommes, c'est le Saint-Esprit. Et combien des fois nous faisons souffrir ce don? Combien des fois il a sacrifié son esprit pour le donner aux hommes? Et même des fois, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous faisons souffrir ce même esprit. Donc Dieu est le Dieu de l'Alliance. Dieu était depuis toujours le Dieu du sacrifice et le Dieu de l'Alliance. Amen. Maintenant, ce n'est pas à moi de te dire, voilà, dans une alliance, voilà, tu dois donner ça, ou tu dois faire ceci, cela. C'est à toi, avec Dieu, que tu dois dire, Seigneur, voilà, maintenant je fais ça. Alors je fais un pacte, je fais une alliance, et je scelle cette alliance de telle et telle manière. Amen. Souvent, moi, j'ai pu faire ça avec Dieu, et je dis, Seigneur, voilà, je te laisse ça pour ça. Je fais de telle alliance, peut-être un montant d'argent, de ça et ça, pour toi. Pour ton œuvre, je fais une alliance avec toi. Et j'ai pu voir que bien des fois, que souvent, quand j'ai fait cela avec Dieu, Dieu est intervenu miraculeusement. Amen. Non, nous n'achetons pas Dieu. Non, nous ne pouvons pas acheter Dieu. Mais j'aimerais vous dire que si des fois nous faisons une alliance avec Dieu, nous scellons certaines alliances, Dieu voit que nous ne sommes pas cupides. Dieu voit que nous ne sommes pas attachés à nos biens ou à notre argent. Et j'aimerais vous dire que Dieu bénit. Amen. Ensuite, il continuera. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malsain, mais plutôt des actions de grâce. Donc, mon frère, ma soeur, toutes les paroles grossières que tu avais l'habitude de dire avant d'être enfant de Dieu, tous les petits gros mots ou toutes les paroles qui semblaient grossières, la Bible nous demande de ôter ça de nos vies. Parce que cela fait aussi partie de quelque chose de ténèbre qui nous bloque. Pourquoi? Parce que de notre bouche doit sortir la bénédiction pour Dieu. De nos bouches doivent sortir des actions de grâce pour Dieu. Et donc dans ta bouche doit être sanctifiée. Souvent, nous voulons sanctifier nos cœurs, mais nos bouches sont des ordures ambulantes. La Bible nous dit que c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, si ton cœur est rempli de la présence de Dieu, j'aimerais te dire que de ta bouche, il ne sortira ni de grossièreté, pas de propos insensés, et pas de bouffonnerie, car cela, c'est malsain. Amen. Mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, idolâtre ou cupide, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Jésus-Christ et de Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui fait partie de la débauche, de l'impureté ou de la cupidité, aucune personne qui pratique ces choses-là n'a de place dans le royaume de Dieu. Il nous dira dans le verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez étrangers à tous ces principes. Mais aujourd'hui, vous êtes des enfants de lumière et le Seigneur veut nous interpeller à marcher comme des enfants de lumière. Vous savez, du temps, de l'ancien temps, du temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'y avait pas de temple pour faire place au sacrifice. Et c'est pour cela que Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes ont fait des sacrifices dans certains endroits ou sous des montagnes. Mais après, Dieu l'a vu et la Bible nous dit que tant que Moïse est arrivé, il a donné la tente du tabernacle, la tente de la rencontre, pour amener les sacrifices à cet endroit aux enfants d'Israël. Et quand le peuple d'Israël a grandi, ils ont amené tous leurs sacrifices au temple. C'est dans le temple que les hommes et les femmes venaient amener leurs sacrifices. Et Dieu a prévu un même temps, une même grâce pour nous qui sommes l'Église aujourd'hui, et c'est dans l'Église que Dieu a permis que nous puissions amener nos sacrifices, nos offrandes, nos dons pour lui. Amen. La Bible nous dit marcher comme des enfants de lumière.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous savez, mon frère, ma soeur, nous sommes souvent confrontés à l'injustice. Nous voyons autour de nous de l'injustice de partout. De l'injustice dans nos médias, de l'injustice dans le travail, de l'injustice chez nos voisins. Et la Bible nous dit que nous devons apporter une justice réelle. Amen. Nous ne devons pas juger les gens morts, mais nous avons besoin d'apporter une parole de justice dans tous les endroits où c'est injuste. Quand nous voyons l'injustice qui est là, ne disons pas, oh, Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous, ça nous regarde pas. Non, mon frère, ma soeur, quand nous voyons l'injustice, nous disons, nous ne jugeons pas les personnes, mais nous voulons déclarer que nous voulons voir une justice réelle. Et je peux vous dire que dans ce pays, en tant que pasteur, je vais voir une justice réelle parce que nos politiques, ceux qui nous gouvernent, n'ont aucune bonne justice parce que tout est confus. Amen. Nous voulons voir une justice réelle. Nous voulons voir une justice réelle dans nos foyers, dans notre maison, mais également en dehors. Quand nous voyons des injustices même dans notre travail, alors à ce moment-là, nous pouvons nous lever et nous dire, nous parlons au nom de la justice. Amen. Les hommes, les femmes qui vous côtoient doivent vous connaître non seulement comme des hommes et des femmes de foi, mais comme des hommes et des femmes qui sont justes. Amen. Des hommes et des femmes qui ont une réelle justice, une justice conduite par Dieu. Et une vérité, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez dans tous les points que vous avez dans votre vie, ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Quand vous voyez, mon frère, ma soeur, de l'injustice autour de vous, de l'injustice peut-être dans les endroits où tu es, la Bible te demande de dénoncer ces choses-là. Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu se manifeste par la justice de Dieu. Comment ? Quand des hommes, des femmes commencent à le déclarer et commencent à mettre les choses de justice en place. En tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas simplement là pour nous réunir dans l'église et chanter les cantiques et voir la justice de Dieu s'établir dans l'église. Mais nous sommes aussi là pour établir la justice de Dieu dehors. Amen. Nous devons l'établir dehors par nos prières, oui, mais également par nos actes. Si nous pouvons, dès que toutes les fois que Dieu nous ouvre une porte pour manifester la justice, Dieu veut que nous puissions la faire et la déclarer. Et quand nous voyons des œuvres des ténèbres, alors nous devons les dénoncer. Amen. Ça coûte ce que ça coûte. Des fois, oui, c'est vrai que dénoncer des œuvres des ténèbres, marcher dans la vérité, marcher dans la justice, va nous coûter quelque chose. Plusieurs fois, moi-même, j'ai perdu des emplois parce que je parlais de Dieu, parce que je déclarais les choses de la justice de Dieu. On me disait, on n'a rien à te reprocher sur ton travail, mais à cause de ton Dieu, c'est ça qui nous pose des problèmes. Souvent, une fois, on m'a même proposé un super contrat à embaucher avec des bonnes horaires, un bon salaire. On m'a dit, le travail que tu fais, ça nous convient, ça nous plaît. Mais il y a une chose avant de signer ce contrat. Si tu signes ce contrat, tu laisses ton Jésus dehors de la boîte. On m'a proposé ça. J'ai regardé le patron, je lui ai dit, écoutez, monsieur, écoutez, j'ai déjà un contrat, alors je préfère partir. Je préfère partir. Parce que c'est une œuvre d'injustice. Une fois, on m'a reproché, on m'a dit, ce n'est pas votre travail qu'on vous reproche, monsieur Zouache, mais c'est que vous parlez de Dieu et de Jésus. Alors j'ai dit à la personne qui m'a dit ça, j'ai dit, mais quand les autres vont parler de pornographie, quand les autres vont parler de tout un tas de sujets, de football, de ça, est-ce que vous les jetez aussi? Ils m'ont dit, mais ce n'est pas la même chose. J'ai dit, pour moi, c'est la même chose. Parce que eux, ils parlent d'une passion, et moi, je parle d'une passion de mon Dieu. Amen. Et nous devons dénoncer ces choses pour que la justice nouvelle commence à se passer. Vous savez, peut-être nous allons subir des voies de l'incompréhension. Des fois, nous allons peut-être subir à cause de la justice du rejet. Mais j'aimerais vous dire, en agissant comme ça, un jour nos enfants nous remercieront parce qu'eux, ils auront la possibilité de parler de Jésus là où ils seront, parce qu'un jour nous nous sommes levés. Trop de fois, l'Église est restée muette.
écraser, les politiques veulent écraser carrément tout ce qu'on appelle église pour qu'on ne puisse plus rien entendre, tout ce qu'on appelle religion. Et j'aimerais vous dire, ça nous nous lever. Peu importe ce que ça va coûter, mais si nous nous leverons, à cause que nous nous levons et à cause du Saint-Esprit qui est en nous, nous aurons la victoire et demain nous en ferons notre assurance. Amen. Amen. C'est à cause d'hommes, de femmes qui un jour se sont battus pour certaines causes que nous aujourd'hui nous pouvons bénéficier. À l'époque, on ne connaissait ni la retraite, ni les temps de vacances. Mais les gens, des hommes, des femmes se sont battus pour recevoir une retraite un jour. Se sont battus pour recevoir des temps de vacances payés. Et un jour, ça a été accepté et aujourd'hui, nous pouvons bénéficier. Nous sommes les premiers heureux de ce que un jour des anciens ont réussi à se lever, peu importe ce que ça pouvait leur coûter. Nous voulons être des hommes visionnaires qui manifestent une justice pour aujourd'hui et pour demain. Ce que nous allons faire aujourd'hui va avoir un impact, va avoir une influence pour demain. Amen. Et c'est à nous de dire, Seigneur, je vais me lever envers et contre tout ce qui peut se passer. Ça, c'est le fruit de la lumière. Amen. Avoir une justice et une vérité et continuer à grandir. En effet, dans verset 12, ce que ces gens font secret, ils ont eux-mêmes d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui est apparu, tout ce qui apparaît est lumière. Amen. La Bible nous dit que tout ce qui apparaît est lumière. C'est pour cela que quand des fois nous louons, nous adorons, nous chantons Dieu, nous avons senti une belle, merveilleuse présence de Dieu, nous pouvons repartir de cet endroit et tout d'un coup on voit que nos pensées ont l'air pires qu'avant. Pourquoi ? Et moi-même au début, je me suis converti, je ne comprenais pas. Je me dis, Seigneur, mais comment ? Je viens de le louer, je viens de te bénir, je sors de ta maison, mes pensées sont pires qu'avant. Alors j'ai jeûné, j'ai prié. Et plus que je jeûnais, plus que je priais, plus que la présence de Dieu était forte, plus mes pensées étaient terribles. Et un jour, j'étais dans ma chambre avec le Seigneur, et le Seigneur me dit, c'est normal. C'est ma lumière qui vient sur toi, et tout ce qui était caché apparaît à la lumière. Et maintenant, je dois commencer à traiter ça. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que la lumière de Dieu, quand elle vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, commence à faire sortir tout ce qui était caché. Et quand ces choses commencent à monter en surface, pour nous, ça nous fait une grande impression. Parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne connaissait pas. On est confronté à une façade de notre personnalité que nous ne connaissions pas. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va être vrai devant Dieu et dire, Seigneur, maintenant je reconnais. Dans ma vie, je pense comme ça, je suis comme ça. J'ai eu ce raisonnement. Quand je vois telle et telle personne, je pense comme ceci, je pense comme cela. Et tu commences à détailler ta vie pour que la lumière de Dieu grandisse. Ça, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Amen. La sanctification, ça ne veut pas dire être un religieux, faire toutes sortes d'exercices spirituels et de sortir et de dire maintenant je suis parfait. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est d'accepter et de reconnaître qu'en nous, il y a des choses mauvaises qui étaient cachées depuis longtemps et que ces choses, nous acceptons qu'elles viennent en lumière pour que nous puissions les régler devant Dieu et devant les hommes si nous avons quelque chose à régler. Amen. Devant les hommes. Oui, mon frère, ma soeur, quand des fois les choses commencent, Dieu va te demander de demander pardon à lui, mais il y a des fois certaines choses dans lesquelles il va te demander de demander pardon à des personnes. Et c'est là où c'est le plus dur. Quand tu vois que tu as fait une erreur et que Dieu te dit maintenant, tu vas demander pardon, je t'ai pardonné. Maintenant, on va voir telle et telle personne. Et demande-lui pardon. Vous savez, quand Dieu a commencé à agir comme ça dans ma vie, en me demandant d'aller demander pardon aux autres, au début j'ai dit non, je ne vais pas demander pardon. Mais au bout d'un moment, chaque fois que je priais, le Saint-Esprit me dit, il faut que tu vas lui demander pardon, il faut que tu lui téléphones, il faut que tu lui écrives une lettre, il faut que tu vas le voir.
Et au bout d'un moment, j'ai accepté. Et au début, ça n'a pas été facile de dire pardon aux premières personnes. Moi, je n'étais pas habitué à demander pardon. Et j'ai dû apprendre à demander pardon, à me faire, en parenthèse, avoir la honte devant les personnes. Je dois reconnaître que tu as fait des erreurs et tu demandes pardon. Et plus de fois, le Seigneur m'a amené au pied du mur dans lequel je devais m'humilier. Des fois, je devais m'humilier à une personne, des fois, je devais m'humilier en public. Et là, je vous garantis que ça ne faisait pas si plaisir que ça. Mais j'ai compris une chose. J'ai compris que ce n'est pas le regard de l'homme qui est le plus important, mais le regard de Dieu. Et si je dois m'humilier 50 fois en public, alors je m'humilierai. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède à la gloire et que l'orgueil amène à la chute. Chaque fois que nous voulons nous fermer, quand Dieu nous montre quelque chose, quand sa lumière vient sur nos vies et qu'il nous demande de faire quelque chose et que nous ne le faisons pas, cet orgueil va nous amener à chuter devant Dieu. Mais chaque fois que nous sommes décidés à nous humilier, nous sommes dans une situation d'injustice, nous ne nous ont pas parlé parce que personne ne parle, mais que nous décidons de parler en vrai contre tout, peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce que les gens diront, à ce moment-là, on va voir que Dieu intervient avec puissance. Amen. Regardez ce qui continuera. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. La Bible nous demande de nous réveiller. Il dit, c'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors. Quand on nous parle de réveil, quand on nous parle de prise de conscience, c'est une prise de conscience dans laquelle la lumière vient et nous comprenons que nous étions pécheurs devant Dieu. Nous savons que nous avons fait du mal devant Dieu et nous faisons tout pour régler nos vies, pour que nos vies soient réglées le jour où Jésus revient. Si Jésus revient aujourd'hui, et que nos vies sont tellement déséquilibrées, nous n'avons pas réglé les choses que Dieu nous a demandé de régler, nous risquons de rester ici et de ne pas partir à l'enlèvement. Nous risquons de passer l'éternité en enfer sous prétexte qu'on a eu peur ou on n'a pas voulu régler une situation. Apprendre à régler une situation va faire de toi réellement un homme et une femme spirituelle. Tant que tu refuses de régler, tu peux faire passer autant de temps de prière que tu veux, autant de temps de jeûne que tu veux, mais tu ne régleras rien devant Dieu. Amen. Un jour, on m'a parlé d'une personne, d'une sœur, elle m'a dit, oh, cette sœur, vraiment, elle aime le Seigneur, elle prie, elle jeûne, elle fait énormément de choses. Alors j'étais heureux. Et un jour, cette sœur est venue dans l'église. Et moi, sans le savoir, j'ai parlé par rapport aux choses adultères, aux choses que Dieu nous demande de ne pas avoir une vie d'adultère, mais d'avoir une vie pure devant lui. Cette sœur, je l'ai revue que quelques fois, elle n'est plus revenue. Et les frères et sœurs avec qui je parlais m'ont dit, mais tu sais, quand tu as fait ça, tu as tapé en plein dans le mille. Ça fait des années qu'elle vit avec son mari et elle ne s'est jamais mariée. Et je ne comprenais pas quand la soeur au début me disait, mais tu sais frère, j'ai tel problème, tel et tel souci, telle et telle situation dans laquelle je prie, je jeûne, je fais tout, mais je ne vois pas les choses se réaliser. Et quand on m'a dit ça, j'ai compris. Des fois on peut être motivé pour Dieu, on peut jeûner, on peut prier. J'ai dit, mon frère, ma soeur, si tu ne règles pas les choses clairement dans ta vie, pour te mettre au diapason avec Dieu, tu as beau jeûner, tu as beau prier, le ciel sera fermé. Mais quand tu commences à mettre ta vie en règle devant Dieu, à régler les choses que je dois régler, ça va être plus fort que 10 000 jeûnes, ça va être plus fort que 10 000 prières, parce que Dieu va avoir une action digne de l'enfant de lumière. Il va avoir une action qui va trouver juste. Il va dire, cet homme, cette femme, avant de me dire
50 000 pièces. Il veut régler sa vie pour être en règle avec moi. Amen. Et c'est cela qui est important pour faire ma soeur dans ta marche avec Dieu. Oui, nous avons tous nos choses à régler. Oui, nous avons tous nos pensées mauvaises à régler, nos cœurs mauvais, nos cœurs qui sont anti-Dieu. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et un jour, quand j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a révélé que je ne croyais pas vraiment. Que j'étais incrédule des fois même à Dieu. Et là même, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais, malgré tout ce que j'ai pu vivre avec toi, je ne te crois pas encore vraiment. Et vous savez, quand vous commencez à réaliser ces choses-là devant Dieu et dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi la foi, apprends-moi à croire, c'est à ce moment-là que Dieu commence à changer les cœurs. Un jour, alors que je commençais à communier avec le Saint-Esprit, on m'avait expliqué ce que c'était, et c'était dur pour moi. J'essayais de parler, et au bout d'un moment, j'étais fatigué. J'avais essayé plusieurs jours, ça ne marchait pas. Et au bout d'un moment, j'étais là comme ça dans le salon, et je dis, maintenant, j'y arrive pas. Alors j'ai dit, voilà, Saint-Esprit, on m'a dit que tu es une personne. On m'a dit que je dois avoir une communion avec toi. On m'a dit que tu es là partout, que tu es dans nos vies, que tu es partout présent. Moi, pour moi, c'est dur. Je lui ai dit, alors écoute. Je lui ai dit, moi, je ne crois même pas que tu es là présent parce que je ne ressens rien, je ne sais même pas, je ne te vois pas. J'ai dit, alors si vraiment tu es partout, fais quelque chose, vous savez. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. J'ai seulement dit ça, je n'ai même pas attendu 2 minutes. Tout d'un coup, dans ma tête, ça fait comme un clac. Je n'ai pas vu le Saint-Esprit. Mais tout d'un coup, sa présence a envahi l'appartement, a envahi l'endroit où j'étais. Et j'étais conscient qu'il était vraiment là. Et je lui ai dit, mais Saint-Esprit, c'est quelque chose de fou. Il y a 5 minutes, je ne croyais pas, tu étais là, tu étais partout. Mais là, je le sais, je ne peux pas comment, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas dire comment ça se fait. Mais je sais que tu es là. Et maintenant, pour moi, c'est un plaisir de parler avec toi. Et depuis ce jour-là, j'ai pu voir que ça a été un plaisir chaque fois que je suis rentré dans sa présence. Mais un jour, j'ai dû le reconnaître, alors que j'étais déjà pasteur. En 2008, j'avais déjà vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, que j'avais senti sa présence à plusieurs fois. J'ai dû le réaliser dans cette chambre de salon que je ne connaissais pas réellement le Saint-Esprit. Et je lui ai dit, je ne crois même pas que tu es là partout. Oui, quand je prêche, oui. Mais quand je suis là seul, je ne crois pas. Et j'ai pu voir que la lumière de Dieu a commencé à grandir et grandir et grandir. Et je sais que Dieu va encore continuer à grandir dans sa lumière, même dans ma propre vie. Amen. Et j'aspire à cela, que Dieu amène toutes les choses qui étaient profondément ancrées, toutes les choses que je croyais enfouies, toutes les choses que je croyais qu'elles n'étaient plus là. Je veux vraiment qu'il puisse tout remener à la surface pour que tout puisse être lumière dans ma vie et dans ta vie. Amen. Nous allons prier pour ensemble. Et vraiment, nous allons continuer sur cette dimension dans laquelle tu vas demander à Dieu vraiment, Seigneur, montre-moi encore tout ce qui est caché dans ma vie. Montre-moi encore là où je n'ai pas su que cela a été ténèbre dans ma vie. Montre-moi encore. Saint-Esprit, je commence à appeler ta présence. Que ce soit dans l'église, que ce soit tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la même manière que tu as dit à la terre, que la lumière soit. Et la lumière fut maintenant, j'appelle sur la vie de mes frères et mes sœurs. J'appelle sur ma propre vie, que la lumière soit maintenant. Que la lumière soit. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où il y avait les ténèbres, que la lumière vienne. Que là où il y avait quelque chose de caché, que la lumière vienne maintenant. Que quelque chose de nouveau se produit dans les cœurs et dans les pensées. De l'âme et de l'esprit, maintenant, que ta puissance, Seigneur, commence à agir et à se mouvoir. Seigneur, tu as dit que tout ce qui apparaît à la lumière est lumière. Tout ce qui reste caché est ténèbre. Ça
Seigneur, je te demande de ne plus rien cacher. De plus rien cacher dans nos vies. Que tout ce qui était caché ou enfoui, que maintenant, Seigneur, puisse surgir pour être traité à ton admirable lumière. Pour être traité dans ta présence. Seigneur, que peut-être tous les pardons qui doivent être donnés, que peut-être, Seigneur, mon Dieu, pour moi, toutes les situations qui doivent être réglées, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie des frères et sœurs, Seigneur, c'est toi qui puisses révéler. Seigneur, j'appelle maintenant une vague de pardon. Le pardon est une puissance qui libère. J'appelle maintenant une vague de restauration, une vague de réconciliation entre Dieu et les hommes. Seigneur, tu as mis dans ta parole, nous ne pouvons que communiquer, que transmettre ce que nous avons déjà. Si ta lumière est en nous, alors nous pouvons transmettre cette lumière dans le monde. Si les ténèbres habitent en nous, alors nous ne pouvons rien leur transmettre. Nous ne pouvons que leur transmettre ce qu'ils ont déjà. Et nous voulons, Seigneur, que c'est toi la lumière qui règne. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur, je bénis Seigneur l'Église, je bénis chaque homme, chaque femme qui regarde aussi cette vidéo.